Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série L'Héritage Gourmand sur Open Universalis 4, une série dans laquelle, pour éviter d'être complètement inactif pendant des plombes, j'ai encore une fois fait une grosse connerie et j'ai décidé d'attaquer la France et la Savoie, ce qui, ben voilà, comme d'habitude, au lieu de se concentrer sur la guerre dans laquelle ils étaient, ils se sont concentrés sur la guerre dans laquelle ils sont maintenant contre nous, et ben on a la totalité de leur force contre nous, et ben, ça passe pas, on n'a plus non plus de réserve militaire, on n'a plus vraiment d'argent, hein, vous voyez qu'on perd 20 par mois, c'est compliqué quoi. Ok, bon, on va demander à nos vassaux déjà de nous soutenir, hein, si on veut s'en sortir c'est peut-être le meilleur moyen. On va arrêter de prendre des conseillers, parce que ça va pas du tout financièrement. Et puis faut essayer de trouver une armée qu'on pourrait attaquer quelque part, parce que là on avait le problème, c'est qu'on avait l'Île-de-France, maintenant on l'a plus, donc du coup on était à 20% de score de guerre et là c'est un peu catastrophique, on est passé à 3%. Ferrare, même Ferrare ne veut pas sortir. Ok, peut-être essayer de laisser partir les gens, mais non, ils restent là, hein, y a rien à faire, ils veulent pas essayer de s'occuper d'abord de l'Autriche, qui est dans leur autre guerre. Autriche d'ailleurs, dont l'armée est là à Naples, ok. Parce que j'imagine que Naples est dans leur autre guerre, ouais. Ah oui, parce que Castille, ouais, bon. Donc. Pas faire grand chose, quoi. Ils sont en train de prendre ça, on peut pas les en empêcher, ils ont un meilleur général que nous, ils ont plus de troupes. On peut essayer de faire venir nos vassaux sur nous, mais bon, je pense pas que ça va changer grand chose. Ils récupèrent ça, donc ils sont très proches les uns des autres, on peut vraiment pas tellement... Ouais, on va essayer de revenir dessus. Là, ils sont en train de partir. Essayez de pas perdre cette province-là, il faut venir nous aider les gars. Voilà, puis nous, on va essayer d'attaquer ici. En espérant qu'ils sont trop loin pour venir aider, mais j'en doute. Nos vassaux sont là, mais bon, même hein, malgré le fait qu'on soit plus nombreux, les Français sont plus forts. Ok, ils ont décidé de partir. Je suis pas ultra convaincu, hein, sachant que les Savoyards arrivaient derrière, mais on va pas se plaindre. Tant mieux. On va aller récupérer l'objectif de guerre. Non, déjà, on va arrêter d'aller chercher ça, de se mettre comme ça, histoire de pas prendre trop d'attrition. Hein, on le refera après. Reprendre l'objectif de guerre. Il serait intéressant de pouvoir éventuellement reprendre même Paris, mais ça va être compliqué. Les Savoyards reviennent cette fois-ci eux-mêmes ici. On va aller essayer d'aller les rechercher. Voilà qui est fait. Voilà. Nos vassaux qui arrivent chez nous. On a recontracté un emprunt. Et on n'a plus non plus de réserve militaire. Ouais, il va falloir essayer de sortir dès que possible de cette guerre, honnêtement. Ok, très bien. Ok, on va essayer de récupérer l'île de France. Quand même. On va éviter de diviser notre armée. Hein. Alors, les Français reviennent à la charge. Espérons que nos... Ok. Alors, ils vont attaquer nos vassaux. Ok, pourquoi pas. Ils y vont, quoi. Agent découvert, d'accord. Ok, très bien. Ils perdent un peu plus de troupes que nous, hein, ou dans la même zone. Évitons d'accumuler de la lassitude de guerre. Le royaume fantôme, parfait. Bon, ça c'est bien. Ça veut dire que si on gagne cette guerre, on pourra faire quelque chose des provinces qu'on récupère. Ça c'est une bonne chose. Maintenant, faut qu'on gagne cette guerre, hein, ce qui est loin d'être fait.
Hein, on a quand même plus de morale qu'eux pour le moment. Non, en fait, on a moins de morale qu'eux maintenant. Et ils ont pas encore leur... ils ont eu le dernier tournoi de joute. Évidemment qu'ils ont eu le dernier tournoi de joute. Faudrait pas déconner quand même. Ils ont encore 18 000 réserves militaires. Nous, on a zéro. On va voir ce qu'on peut faire de ce côté-là. Ferrare, on a... Les états du pape sont en train de faire leur boulot de ce côté-là, c'est bien. Préféré qu'ils fassent peut-être un peu plus ailleurs. Voilà, les Français recommencent leur coup d'avant. Ok. On va retourner aider nos vassaux. Mais cette fois-ci, ils seront beaucoup plus. Parce qu'il y a les Savoyards qui arrivent derrière. Il y a encore ici des gens. Ouais, bon. Ok. Bon, on va essayer de trouver une paix blanche dès que possible, quoi. Puis on va de nouveau recommencer à rien faire, je pense. Pendant des plombes. Je suis désolé, hein, pas très très intéressant comme partie. Vraiment désolé. Le gouvernement doit se stabiliser. Perd 50 points admin, perd 10 de prestige ou perd un petit peu d'argent. Non, non, on va perdre 50 points admin actuellement. Pas envie de perdre de l'argent là maintenant. Alors la paix blanche, ça va être compliqué. Peut-être essayer d'aller chercher l'objectif de guerre et voir si on peut aller chercher quelque chose comme ça. C'est un peu tout ce que je vois hein, comme possibilité. Revenez ici vous, les vassaux si vous pouvez. On va juste reprendre ça et voir si du coup ça nous donnerait suffisamment pour sortir de cette guerre horrible. J'en doute. Hein. Faudrait probablement prendre quelque chose de plus. La capitale peut-être, mais on n'arrivera pas. Là ils vont prendre la Franche-Comté. On va essayer de se barrer de là. Je suis pas ultra convaincu par contre. Alors. Ok. Bien que vous veniez en fait nous aider. Voilà le problème, les Français sont à côté, donc on peut pas empêcher les Savoyards de siéger pour le moment. Rebelles, ok, bon ça peut être éventuellement intéressant en Champagne. Ouais. Non mais restez là, restez avec nous, s'il vous plaît. Toi tu vas où toi? Charolais, donc tu seras à côté pour venir aider les Savoyards après, ok. Bouge. Alors Ferrare. Ferrare, cette Ferrare à état pontifico. Ouais, ça me va, ouais. Doit verser 10% de son revenu mensuel à Bourgogne. 70, on gagne 52. Ouais, volontiers. C'est déjà une bonne chose. Maintenant, le problème, c'est qu'on perd un petit peu le peu de score de guerre qu'on avait d'avance. Mais par contre, on va gagner l'aide des états du pape. Ce qui peut être pas mal. On a ici des Français qui vont à Modène, donc ils vont aller probablement... de ce côté-là, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Nous, de notre côté, on va attendre que cela soit lock, et puis après on va aller empêcher les Savoyards de prendre notre province. Si on les voit pas, mais ils ont chaque fois des 10 stacks qui sortent de l'ombre à chaque fois qu'on fait une attaque. Ça devrait quand même passer. Mais bien que... Ouais non, ça va pas passer. On va perdre une bataille de plus. Ok. On repart du coup. Essayer de venir là. Espérons que les états du pape viennent nous aider directement cette fois-ci. On n'a vraiment pas envie de perdre ça. On doit quand même attendre un ou deux mois. On va prendre le risque d'attendre un deuxième mois. Là, on a... Ah, c'est pas possible. Vous alliez vers le sud, pourquoi...
Bon, malheureusement, on n'a pas trop le choix. Hein. En espérant que les états du pape viennent nous aider. Là, on a voilà, les Français qui se retournent, qui vont nous revenir dessus. Ça va de nouveau être une défaite. Ça va tout être une grosse défaite, je pense. Voilà. Non, ça passe pas. Ça passe pas. Ok, bon. Voilà. Bon, on voit un enthousiasme de guerre faible. Ok, on peut sortir de la guerre avec une paix blanche. On va le faire. Ok. Bon, ça va, on a évité le pire. Mais ça ne... ça ne change pas le fait que je vois pas trop comment évoluer dans cette partie. Pour le moment, on va... on va attendre, on va récupérer des réserves militaires. On va... Voilà, ça joue. On va essayer de récupérer un petit peu d'argent. Hein. On va arrêter de payer nos forts. Pour le moment, on va continuer de payer nos troupes jusqu'à ce qu'elles soient au moins, on va dire, maxées. On peut rembourser un emprunt. Ça peut être intéressant pour nous. Ouais, celui-là ira très bien. Et puis, voilà, on va attendre. Hein. Je ne sais pas ce qu'on va attendre, honnêtement, pour être honnête. Je ne sais pas trop ce qu'on peut attendre. Les Français sont beaucoup trop forts dans cette partie. Ils ont pu prendre l'Angleterre tranquille. Ils sont alliés à la Castille, donc ils n'ont pas du tout de rival en bas, au sud. C'est compliqué, hein, vraiment très très compliqué. Je ne sais pas trop ce qu'on va pouvoir faire dans cette partie. On va voir, on va attendre. Je suis désolé, hein, ça ne va pas être très très intéressant. On va juste devoir attendre. On a essayé de lancer une guerre, pour lancer une guerre, pour faire quelque chose. On a vu ce que ça a donné. On va éviter de refaire la même erreur. Ce qu'on peut faire, par contre, on peut légitimer quelques provinces en France, revendiquer quelques provinces en France. Paris, pourquoi pas, tiens. Hein, revendiquons Paris. Celle-ci, également. Et puis, voilà, on peut revenir de là. On peut regarder pour améliorer un petit peu les relations avec... c'est pas là, c'est là. Nos traditionnelles unions personnelles, genre toi. Voilà. On peut éventuellement améliorer les relations. Alors, on n'a plus de relations diplomatiques. Celle avec les états du pape peut rester intéressante, ne serait-ce que pour faire des points. Celle avec l'Autriche commence à l'être de moins en moins pour moi. C'était bien quand ils étaient empereurs, maintenant ça sert plus à grand-chose. Une avec la Moscovie éventuellement. De toute façon, la Moscovie, le problème de la Moscovie, c'est qu'il n'y a absolument aucun moyen de les faire venir dans n'importe quelle guerre, hein, dans quelle que soit la guerre qu'on va chercher. Donc on va, pour le moment, mettons vitesse 5. De toute façon, il n'y a rien à faire, donc autant le faire vite. Et puis... Milan a attaqué la Savoie pour dirigeants excommuniés. C'est surprenant, ça. La France a déshonoré. Ok. Ça peut être intéressant. On a une trêve qui va durer quoi? 5 ans, du coup? Ah, parce qu'on a 0, donc on a 0 de score de guerre, rien. Donc, effectivement, 5 ans. Donc, dans 5 ans, la Savoie n'aura pas pu se rallier à la France. Donc, a priori, on pourra essayer de profiter de ça. Hein, sachant que maintenant, ils sont vraiment en dehors de l'Empire. Les bourgeois gagnent 10 d'influence, les clercs perdent 10 d'influence, ce qui irait très bien. Les clercs perdent 15 de loyauté, les bourgeois perdent 15 de loyauté, ce qui irait un peu moins bien, par contre. On peut faire l'inverse, alors faisons l'inverse. Du coup, les bourgeois... alors, les nobles ont 75% d'influence, ça c'est pas très très grave. Les bourgeois en ont peu, on peut peut-être leur accorder des chartes monopolistiques. On peut même, du coup, profiter pour leur demander un petit soutien financier, ce qui peut être pratique. On peut arrêter, nous, de payer nos troupes. Nous, on a 16 000 troupes actuellement. Il serait intéressant d'en récupérer quand même les 24, hein, dès qu'on le pourra, entre autres avec des mercenaires si possible. Financièrement, on est relativement tranquille. Putain, c'est gonflant, ça. Ok, bon. Alors, un bon gros fail qu'on a fait. En même temps, si on n'avait pas lancé cette guerre, je pense pas que la France aurait déshonoré leur alliance, donc je pense pas que Milan aurait attaqué la Savoie. La Suisse qui attaque maintenant la Savoie, en plus de ça, c'est vraiment très très problématique. Il faut que la Savoie gagne. Si la Savoie perd, ils vont perdre Vaux-et-le-Valais. Vaux-et-le-Valais vont devenir impériaux. Et on pourra pas attaquer pour récupérer ça non plus. Vu que l'Empire est actuellement intouchable pour nous non plus.
Donc il serait quand même intéressant pour nous d'essayer de pouvoir récupérer une partie de la Savoie pour pouvoir après attaquer la France sur des bases un peu plus saines. Quand même un peu gonflant. On va améliorer les relations avec l'Autriche. Ouh là là, je suis en train de ne pas payer mes troupes alors qu'on a des rebelles en Champagne. Alors. Ok, mon intéressement 5%, c'est pas très grave. Je pense que les rebelles. Ouais, voilà, c'est bon. Nickel. Mais il faut quand même qu'on paye nos troupes du coup. On doit pouvoir rembourser un emprunt. Allons-y. On pourrait bientôt aussi prendre un conseiller. Ici, voire là. Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour nous? Un conseiller diplo ou un conseiller admin? Presque diplo, honnêtement. Prochaine institution, colonialisme. Ouais, dans un petit moment quand même. On va remettre à part sa vitesse 4. La Suisse me gonfle pas mal là quand même. Malheureusement je peux pas donner des condottiers à la Savoie, ça pourrait être intéressant. Je vais essayer de regarder. Revenons ici. Ok, ils ont des emprunts malheureusement. Plus aucune alliance. Ah, ils seraient bien gratuits maintenant. Et ils vont être bien gratuits pour Milan et la Suisse. Ah. La guerre des paysans en Pologne, ok. Württemberg, non, on va pas t'aider en tout cas, ça c'est sûr. On pourrait prendre une doctrine. On va éviter pour le moment, on va surtout attendre pour prendre les techs. Faudra aussi qu'on détermine ce qu'on décide d'aller chercher comme nouvelle doctrine. Je pense qu'une doctrine diplomatique semblerait assez intéressante. Doctrine d'influence pourrait être pas mal, hein, sachant qu'on va probablement annexer du monde assez vite, que ça baisse un petit peu l'expansion agressive, ce qui dans notre cas peut être intéressant. Bon, probabilité d'un héritier, revenu par les vassaux, on n'a pas vraiment de vassaux, hein, on a des unions personnelles. Donc ces deux-là sont pas très très utiles, bon celui-là c'est toujours bon à prendre, mais celui-là est pas très très utile. Coup d'annexion diplomatique, ça, ce serait très très bien. L'expansion agressive, c'est très très bien. Réputation diplomatique, plus 2, c'est très très bien. Relation diplomatique, c'est aussi intéressant. Ça, on est bloqué pour le moment. Bon, puis ça, voilà, contribution des vassaux, on s'en fout, c'est pas très intéressant. Mais ça pourrait nous permettre hein, d'essayer de démanteler la France par la suite en utilisant un système de vassaux. Donc je vous propose qu'on prenne ça pour le moment, même si on va pas, hein, on va clairement pas cliquer là-dessus. On va attendre de prendre les techs. Ça peut déjà être pas mal que d'avoir peut-être les événements qui sont liés. Ici, on va repartir par là et on va de nouveau arrêter de payer nos troupes. Ça nous permettra d'avoir un peu plus d'argent et pourquoi pas de commencer un petit peu à aller chercher ces mercenaires. Où est-ce qu'on en est en termes de mercenaires? On en a actuellement 5 déjà, ça fait quand même pas mal. Faisons déjà quand même une quatrième cave qui sera pas mercenaire pour le coup. Et puis après on verra pour la suite. On a toujours notre canon, ouais, on a toujours notre canon, donc ça va. Parce qu'avant j'ai consolidé sans vraiment regarder où on en était de ce côté-là. Du coup, on va prendre un type qui augmente notre réputation diplomatique. En plus, c'est toujours bon à prendre ici, hein, vu qu'on a maintenant aussi un groupe diplo. Alors la Suisse occupe ces trois provinces-là. La Savoie est vraiment dans une situation périlleuse. Bon, ils sont en train de gagner contre Milan. S'ils peuvent sortir de la guerre contre Milan, ils peuvent peut-être s'en sortir contre la Savoie. Indépendance garantie par la commune, sérieux ? Ah, donc en fait, voilà quoi. Bon. Bon. Bah, très bien. Très bien. Le commandant nous a quittés. Bon, c'est dommage. Alors. Ok.
qu'est-ce qu'on a comme mission, sinon, qui nous mène pas directement en guerre contre la France? Construire 5 ateliers. Ok, ça peut être intéressant à aller chercher par la suite. On va d'abord rembourser notre emprunt, hein, mais pourquoi pas. On peut prendre une décision nationale, adopter la loi sur l'uniformité, puissance des missionnaires augmentée, coût d'adoption des institutions. Alors pour le moment, non. On n'a pas besoin de missionnaires, donc c'est pas un souci. On verra ce qu'on fait hein, d'un point de vue de la réforme. Est-ce qu'on passe protestant c'est une question qui se pose, honnêtement. Hein. Actuellement, bon, on n'est qu'à 87% de désir de réforme, mais pourquoi pas. Rester catholique, c'est intéressant, mais sans plus. L'avantage, c'est qu'actuellement, on est allié des États du Pape, mais si on passait protestant, on pourrait virer cette alliance et aller chercher une autre alliance qui pourrait peut-être être plus intéressante pour nous d'un point de vue militaire. Les États du Pape étant pas non plus si exceptionnels. Le Saint-Empire réélirait le Palatinat, ce qui n'est pas idéal pour nous. Ce qui serait intéressant pour nous, c'est qu'il réélise évidemment l'Autriche. Mais à voir, l'Autriche est loin du compte. C'est un peu dommage. Alors, voilà, on a pris nos 3 techs. On a un bout hein, avant les prochaines techs, ce qui est plutôt bien. Du coup, maintenant, on va pouvoir se focaliser sur nos doctrines, ce qui est vraiment une bonne chose. On va pouvoir rembourser notre prochain emprunt tout bientôt. Fait d'entre familles et de la noblesse. Soutenons une famille. On a 9 régiments à Cambrai. On prend 25% d'autonomie. On perd 33 de puissance diplomatique. On va s'occuper des rebelles à Cambrai, je vous propose. Hein, allons-y. Se déplacer par ici, donner un général, on n'a pas de général, on peut, ce qu'on peut faire peut-être notre, ouais, lui, notre héritier, hein, on peut en faire un. Ok, si tu veux, prends 5 de manœuvre, si ça te fait plaisir. Et puis, on va attendre tout ça. Ici, tu peux revenir, de Hollande. Et puis, on va t'envoyer au Brabant. Améliorer les relations ici et puis qu'est-ce qu'on peut essayer d'aller chercher comme autre relation je sais pas trop, on verra mais on verra tout ça au prochain épisode puisque celui-ci est arrivé à son terme. Je vous remercie donc de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine.